dites pas que vous savez pas ça. Bah parce qu'en fait, c'est un Parisien qui a donné le nom du phare du bout du monde. Bah oui, il fallait sortir du périph', du coup, c'était le bout du monde pour lui, hein. Bah du coup, le phare de La Rochelle, il a appelé comme ça, quoi, hein. Non, c'est pas ça. Tout commence avec le roman de Jules Verne, intitulé Le phare du bout du monde, paru en 1905. Pour écrire ce livre, l'auteur s'est inspiré du phare de San Juan del Sabamento, situé en Patagonie d'Argentine, sur l'île des États. En 1993, un aventurier rochelais, André Bronnet, passionné par Jules Verne à tel point qu'il se fait appeler Jules Verne, si c'est pas une blague, décide de partir à la recherche de l'existence du phare ayant inspiré ce roman. Sur place, il découvre les ruines du phare de San Juan del Sabamento, il décide donc de le reconstruire. Il était motivé, André. Malgré des conditions très difficiles, le phare retrouve toute sa lumière en février 1998. Il est même classé, attention, tenez-vous bien, monument historique national par l'Argentine un an plus tard. En souvenir de cette belle aventure, André Bronnet inaugure en janvier 2000 une réplique du phare sur pilotis en face des Minimes à La Rochelle. À près de 12 700 km l'un de l'autre, ces deux phares du bout du monde portent bien leur nom. Notez d'ailleurs pour la petite histoire qu'André Bronnet, passionné de phares, se lance aujourd'hui dans la réparation de phares de voiture. Affaire à suivre donc. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de poser vos questions à l'adresse ci-dessous. Allez, ciao !